Bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Présentez-vous. Moi ici monsieur Camara Lancenet. Et je viens de Sidibé. Ok, monsieur Camara, vous dites que vous avez votre machine confisquée. Il y a beaucoup aujourd'hui d'orpards qui sont à Gawal dont leur machine est confisquée. Où ils ont confisqué votre machine et c'était à quelle occasion? C'était avant-hier. On quittait notre appartement. Monsieur, tu vois. Donc, arrivé au carrefour, on a vu leur vérifier. C'est en train de passer. Plus de 8 vérifier. Monsieur, tu vois. On s'arrête. Et ils vont passer, quoi. On doit s'arrêter. Ils vont passer. Maintenant, dès qu'ils ont vu machine avec moi, ils ont dit, embarquez-le. J'ai dit, ah, vous m'embarquez. Pourquoi? Parce que vous nous avez dit de quitter au Gawal. Est-ce que tu me fais comprendre? Mais on est au Coustère comme ça, on vient de prendre le véhicule, d'aller chez nous, d'aller à l'abbé. Mais on est au carrefour comme ça, voici le gars. Ils ont récupéré notre machine. Donc je m'avais dit de embarquer ma machine pour me laisser. J'ai dit non, je ne vais pas laisser ma machine là-bas. Ils disent on doit aller ensemble. Tandis que vous avez monté ma machine là, on doit aller ensemble. Est-ce que tu vois? Donc moi aussi, je suis monté dans le véhicule, m'avais dit de descendre. Pour m'insulter, j'ai dit non, je ne peux pas laisser comme ça. On doit aller ensemble. Ou bien vous me donnez ma machine. Donc maintenant, je suis monté depuis le 8h du matin. Ils ont équipé ma machine avec moi. On est parti ensemble avec les lieux là où on crise. On avait dit là-bas, on a plus de temps, on a pris du temps là-bas. Quoi. De 8h à 15h, on est venu à Gawal maintenant. Là. Est-ce que tu vois? On est parti au camp là-bas. Il y avait beaucoup de personnes qui sont équipées leurs machines. 7000, 5500, 4500, 5000, tu vois. Donc ils ont équipé les machines. Et il y a eux-mêmes qui sont pas équipés. Ils ont vendu leurs machines. Ils ont vendu leurs machines à 2 millions, 3 millions comme ça. Et c'est tu vois. Donc moi je me suis battu pour gagner ma machine. Ils m'ont dit un machine, je dois payer 10 millions. J'ai dit non, je ne peux pas. Comment je dois payer 10 millions? Le machine même, ça ne coûte pas ça. Le machine, c'est à peu près 6 500 000. Est-ce que tu vois? Le machine, c'est 6 500 000. Maintenant, ils m'ont dit de payer un machine à 10 millions. J'ai dit non, vous m'avez pris au carrefour. On doit rentrer chez nous. Comment? Même si pour gagner le transport, on n'a pas de transport. Sauf qu'on avait appelé ma soeur de nous transférer d'argent, d'aller chez nous. Donc, on a parlé là-bas, hein, j'ai appelé mon frère. Lui est venu, j'ai dit, ah, mon frère, donc, je suis au camp comme ça, viens me trouver ici. Mais il ne faut pas être père. Est-ce que tu vois? Donc, dès qu'il est venu, il m'avait dit de payer une machine à 5 millions, une machine à 5 millions. J'ai dit, non, on n'a pas d'argent. Donc ils t'ont confisqué deux machines. Deux machines. Est-ce que tu vois? Parce qu'on voulait rentrer chez nous. Tu vois? Mm-hmm. Même si hier même, ils ont équipé beaucoup de motos. Mais là, il y a des gens qui n'ont pas gagné leur machine avec leur moto. Ils ont revendu quelques motos aussi. Avec des bons prix. Est-ce que tu vois? Donc, ce que moi je voulais, je veux dire avec notre président de la République de Guinée, de nous aider d'avoir notre machine. Et encore aussi, les militaires aussi, ils sont des voleurs. Est-ce que tu vois? Ils sont là pour nous projeter. Mais ils sont pas là pour nous saccager, pour saccager les choses, quoi. Même si l'autre fois là, ils sont dans leur appartement, ils sont rentrés là-bas. Ils ont volé beaucoup de choses. L'or. À Kounsitel. Est-ce que tu vois? Il y avait des véhicules là-bas. Ils sont pigés les pneus. Est-ce que tu vois? Donc il y avait un gâti là-bas. Celui qui achète l'or là. Ils ont pris 32 500 000. Est-ce que tu vois? Avec l'or. 70 gara. Ils ont équipé ça. Donc ça veut dire quoi là? Où on doit aller maintenant là? On est chez nous aussi, on est tort.
Donc vraiment, ce que moi je vais dire avec le président, il n'y a qu'à régler cette chose-là, sinon c'est pas bon pour nous. Surtout nous, les populations. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas de travail. Ce qu'on ne peut pas voler pour manger. On cherche pour nous. Vraiment, je vous remercie. Très bien. C'est ça que moi je voulais vous dire.